Il est français et après avoir été à la tête de la plus grosse plateforme d'échange de Bitcoin au monde, il a été accusé d'être à l'origine du plus gros vol de Bitcoin au monde. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Marc Carpelès. Marc Carpelès, il est né le 1er juin 85 en France, près de Dijon. Il va être élevé seul par sa mère qui elle-même s'intéresse beaucoup à l'informatique et il va beaucoup jouer et programmer avec elle pendant l'enfance. Très vite, évidemment, il va lui-même se passionner pour l'informatique qui va lui permettre d'échapper à sa vie quotidienne et particulièrement à sa vie scolaire qui se passe pas très bien. Marc, c'est un enfant surdoué, pas à l'aise socialement, au point même qu'il ira finir sa scolarité à Paris dans une école spécialisée pour les enfants surdoués. Et très vite, il va abandonner l'idée de faire des études après le bac. À cette époque, il a son propre site web qu'il a appelé Magical Tux, en rapport avec la mascotte de Linux. Sur ce site, il va donner des conseils de code, de sécurité informatique, et il va donner des astuces de piratage en plus de parler de sa vie privée de manière assez détaillée. Avec ce site, il va se faire une petite audience, et quand des journalistes décident de faire un reportage sur les nerds, alors oui, parce qu'on est encore au début des années 2000, hein, donc l'idée de passer toute la journée sur un PC, c'est pas vraiment un truc acquis dans la société. Et bah naturellement, ces journalistes, ils vont se tourner vers lui. Et c'est cette apparition dans le film qui s'appellera du nom très élégant Suck My Geek qui va continuer à développer sa petite notoriété. On peut pas imaginer une vie sans ordinateur là actuellement, c'est impossible. En 2003, il devient développeur et sa première expérience professionnelle, elle va être elle aussi assez peu concluante. Bon, rapidement, vous vous en doutez, il s'emmerde royalement et donc il décide de développer des petits trucs en plus pour aider l'entreprise. Mais malheureusement pour lui, ses prises d'initiative sont pas toujours considérées très approprié et ses relations avec son patron vont petit à petit se dégrader. Marc y finira par démissionner quand son patron s'est rendu compte qu'il envoyait sur un serveur des informations privées des clients de la boîte. Après une autre expérience professionnelle plus positive dans laquelle son patron apprécie sa prise d'initiative, il va finir par quitter son poste pour aller déménager dans le pays de ses rêves, le Japon. Parce qu'évidemment, sans grande surprise, Marc est un énorme dweeb. Il est né en 85, donc comme tous les gamins de sa génération, il a grandi devant les animés AB Productions chez Dorothée. Il est passionné de manga et la culture plus calme et polie des Japonais vont plus lui aller par rapport à son comportement. À 24 ans, donc, il emménage à Tokyo et il va créer sa première société qu'il va appeler Tiban, Tiban étant le nom de son chat à l'époque. C'est une boîte de développement de sites web. Il va petit à petit faire son réseau, se faire une clientèle et sa boîte tourne plutôt bien. Pendant ce temps, en France, le patron qu'il a un peu arnaqué va porter plainte et le procès va s'ouvrir à Paris. Mais Marc, qui est au Japon à ce moment-là, ne s'y présente pas et il va être condamné pour piratage et vol de données à une peine plutôt sévère, un an de prison avec sursis et 45 000 euros de dommages et intérêts. Mais de son côté, lui au Japon, tout va bien, le frérot est tranquille, il a rencontré une japonaise, il va se marier, il va devenir papa. Mon fils a totalement omis de me signaler qu'il s'était marié. Il m'a annoncé que j'étais grand-mère quand même. Et je lui ai dit, c'est très bien mon fils, avec qui? Ah mince. Mais c'est en 2011 qu'un de ses clients va changer sa vie en lui proposant de le payer dans une nouvelle monnaie un peu inconnue créée quelques années auparavant, Bitcoin. À cette époque-là, les crypto-monnaies, elles en sont qu'à leur début et Marc, il va tout de suite se prendre de passion pour le sujet. Et c'est comme ça que quelques mois plus tard, en 2011, il va racheter le site Mt. Gox à Jed McCaleb, son créateur. Mt. Gox, à l'époque, c'est juste une simple plateforme d'échange de cartes Magic qui vend aussi du Bitcoin. C'est une très bonne affaire et Marc, il a une idée. On va dégager toute la partie carte Magic et on va uniquement faire qu'une seule chose, vendre du Bitcoin. C'est fou la vision du mec en 2011 et évidemment ça va fonctionner. Marc Carpelès va donc transformer Mt. Gox et en faire la première plateforme du genre. L'année suivante, quand Bitcoin va commencer à prendre de la valeur, bah, Mt. Gox monte aussi avec et notamment grâce à l'explosion d'un autre site dont j'ai déjà parlé qui permettait d'acheter tout un tas de trucs sur le dark web, Silk Road. En gros, c'était une espèce de Amazon, mais avec de la drogue et plein de trucs délirants. Sauf que sur Silk Road, la monnaie pour payer, c'était du Bitcoin, et évidemment, la majorité des Bitcoins utilisés pour payer sur Silk Road venaient de Mt. Gox, parce que c'était la seule grosse plateforme pour en acheter. Et donc forcément, quand une de ces deux plateformes grossit, l'autre grossit avec, en même temps. Tellement d'ailleurs que les gens vont commencer à suspecter Marc Carpelès d'être derrière ce fameux site de marketplace illégal. Quand les autorités américaines essayent de faire tomber Silk Road et que les médias vont s'emparer de l'affaire, les gens commencent à comprendre l'intérêt du Bitcoin et sa légitimité est prouvé quand le gouvernement américain commence à créer des lois sur les crypto-monnaies. Et ça aussi, ça va indirectement profiter à Mt. Gox. Mt. Gox, elle prend tellement d'ampleur qu'en quelques années, elle va contrôler 80% des transactions Bitcoin sur le réseau, en comptant jusqu'à 20 millions de dollars de transactions par jour. À cette époque, Marc, il se sépare de sa femme, mais il va se consoler en s'achetant un penthouse luxueux et des très grosses voitures qui font
Vroom vroom. Mais forcément, face à sa notoriété grandissante, le site va subir de plus en plus d'attaques. Et en 2011, on verra la première attaque d'envergure qui réussit à atteindre MindGeek. En réponse, Mark il va décider de fermer le site pendant 48 heures, tout refaire au propre. Et pendant ces 48 heures, il va pas du tout communiquer avec le monde extérieur, ce qui va évidemment affoler les gens qui ont stocké de l'argent sur son échange. Mais au final, après ces deux jours, tout rentre dans l'ordre. Mark il va recommuniquer au public, il va expliquer tous les nouveaux machins qu'il a mis en place pour protéger les données des utilisateurs. Et au final, ça passe, il fait quelques petites blagues, il communique avec sa communauté avec des petites références geeks. Hein, par exemple, on peut voir dans les informations du post de blog suite au problème 42 et la réponse, qui est une référence au livre Le Guide du Voyageur Intergalactique. Mais même si tout est réparé, on peut pas nier qu'on voit là les débuts d'un problème de communication de la part de Mark. Et surtout en période de crise, imaginez si votre banque faisait un truc comme ça. Et d'après ses associés et ses employés, il n'y a pas que la communication externe qui commence à foirer chez Mt. Gox. Parce qu'au même moment où l'entreprise elle explose et elle recrute de plus en plus, Mark il a énormément de problèmes à déléguer le travail. Les employés de cette époque ils font tous état d'un management chaotique et d'un Mark au milieu de tout ça qui semble ni se rendre compte du problème ni vraiment vouloir le résoudre. Bref, c'est le bordel en interne. D'ailleurs, c'est tellement le bordel que quand Mt. Gox va ouvrir des comptes en banque aux États-Unis la même année, Mark il oublie de déclarer ses comptes en banque aux autorités comme faisant partie d'un fonds d'investissement. Et il se prend donc une amende de 5 millions de dollars par le gouvernement US gratos alors qu'il aurait pu remplir un papier. Et dans l'idée d'apaiser les tensions, le gouvernement US va aussi lui demander dans le même temps de les aider à enquêter sur le site Silk Road. Et malgré tout ça, en 2013, tout va pour le mieux pour Mt. Gox. Un bitcoin est égal à 100$. Mark il va commencer à être comparé dans les médias à Mark Zuckerberg. Mt. Gox va être comparé à Google. Et au Japon, Mark il va même devenir une nouvelle figure de proue de l'économie numérique très connue. Il y a même un youtubeur du nom de Hardis qui se crée un compte sur Mt. Gox en 2013. C'est vous dire le niveau de star. Bref, si en interne Mark est complètement dépassé, à l'extérieur c'est l'apogée jusqu'à un jour fatidique. 6 mois plus tard, le 7 février 2014, où le site va fermer d'un coup, sans aucune explication. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, voilà, parce qu'en fait, on est beaucoup à travailler sur ces vidéos et ça nous ferait très plaisir. Merci beaucoup. Les clients vont se retrouver bloqués en dehors de leur compte et n'ont aucune information sur ce qui se passe. Et à cette époque-là, faut voir que les gens, ils ont des vraies petites fortunes sur le site, donc tout le monde est en panique. Le 14 du même mois, il y a une vidéo qui va être publiée, qui va devenir virale. Dans cette vidéo, on voit un mec anglais qui a fait spécialement le déplacement de Londres à Tokyo pour aller devant les bureaux de Mt. Gox avec une pancarte où il est écrit « Où est passé mon argent, Mt. Gox ?» Dans la vidéo, on le voit interpeller Mark Karpeles qui est en train d'arriver à ses bureaux, et les images vont évidemment faire le tour du monde. Les gens sont furieux, et les jours passent les uns après les autres sans qu'il y ait aucune communication de l'entreprise. Il faudra attendre 21 jours, soit le 28 février, pour qu'une communication officielle soit publiée. Mark Karpeles, qu'on voit souvent en public avec des t-shirts à slogan et un jean, il a complètement changé de style, on le voit en costume avec une armée d'avocats, et il va se lancer dans une conférence de presse au code très nippon, et dans laquelle il va expliquer que 850 000 bitcoins ont été perdus et que Mt. Gox est mis en faillite avant de s'excuser platement. Box unexpectedly shut down today. One of the world's biggest bitcoin exchanges has filed for bankruptcy. Faillite retentissante du système d'échange de bitcoins. La plataforma de la moneda virtual Bitcoin Mt. Gox se déclare en quiebra. Il dit qu'il travaille sur le problème et qu'il cherche ce qui a bien pu se passer en mentionnant notamment des hackers russes qui pourraient être la source du problème. Alors évidemment, les clients et les investisseurs, ils sont furieux. Le cours de Bitcoin va chuter de 50% d'un coup et sa crédibilité va prendre un coup aussi. On parle de centaines de milliers, voire de millions de dollars qui s'évaporent de certains portefeuilles. Au total, la perte va représenter plus de 500 000 bitcoins et évidemment, contrairement à d'autres produits financiers, c'est couvert par aucune assurance. Et c'est pas non plus couvert par NordVPN, le sponsor de cette vidéo. NordVPN, vous les connaissez, c'est un service de VPN qui vous permet de protéger votre connexion internet sur 6 appareils en même temps via un seul compte. Avec NordVPN, vous pouvez dépasser les frontières en utilisant leur serveur dans 59 pays différents et profiter du contenu bloqué dans votre pays sans perte de vitesse. Par exemple, The Dark Knight, il n'est pas dispo sur Netflix en France, mais en Belgique, il l'est. Le service vous permet également de naviguer en toute sécurité sur un Wi-Fi public. Vous pourrez accéder à vos informations personnelles ou à vos fichiers de travail et garder privé votre historique de navigation. NordVPN, c'est aussi un service de cybersécurité avec la protection anti-menace qui bloque les publicités intempestives, les trackers des sites visités qui collectent nos données à des fins commerciales. Et
et analyse automatiquement les sites visités pour bloquer les potentielles attaques. Avec mon lien en description, vous bénéficiez de 4 mois gratuits quand vous prenez un abonnement de 2 ans. Alors n'hésitez pas à cliquer pour voir en description après la vidéo. Vous pouvez tester sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Et nous, on va voir comment Mark s'est sorti de ce bourbier. Quand quelques jours plus tard, il va annoncer avoir retrouvé 200 000 bitcoins sur un ancien portefeuille personnel, la rumeur va enfler qu'il aurait peut-être monté le coup lui-même. En attendant, l'enquête est lancée et les autorités japonaises vont collaborer avec Carpeless pour essayer de comprendre exactement ce qui a bien pu se passer. Sauf que pour apaiser les tensions, c'est super important qu'un coupable soit désigné. Mark y collabore avec la police et continue sa présence en ligne en postant des tweets rigolos ou des recettes sur YouTube. Hein, on s'en bat les couilles de ta tarte aux pommes, frérot, ils sont où mes bitcoins? Et comme le premier suspect sur la liste, c'était Mark lui-même, et que les autorités ont des ressources et des connaissances très limitées en matière de crypto, c'est lui-même qui va être mis en garde à vue à la mi-2015. C'est 23 jours, pas d'avocat, lumière allumée en permanence, pas d'appel vers l'extérieur. J'ai perdu 35 kilos au commissariat. Le plus dur, c'est vraiment d'attendre et d'être seul, de rien avoir à faire, hein, et de ne rien pouvoir faire dans une cellule de 6 mètres carrés, et être là, assis, et attendre, et attendre, et attendre. Ce qui est dur, c'est non seulement de ne rien avoir à faire, mais c'est aussi de ne pas savoir quand ça va se finir. Mais Mark, il est plus fort que dans les films, il se démonte pas et il avouera rien. Et ça, même quand persuadé de détenir le coupable, la police va le laisser partir après 23 jours, avant d'aller le recueillir pour le renvoyer en garde à vue 23 jours de plus. Et en même temps, même si à l'époque les preuves à son encontre sont pas suffisantes pour vraiment être sûr que c'est lui, la découverte d'un bot va en faire un très très bon suspect. Ce bot, c'est un programme informatique qui s'appelle Willybot et qui avait déjà été découvert par quelques utilisateurs de Mt. Gox il y a assez longtemps en fait. C'est un bot qui avait une activité assez suspicieuse sur les marchés et qui a été le sujet de pas mal de questionnements. Puisque tout ce que faisait le bot, c'était d'acheter des sommes de crypto-monnaies à intervalles réguliers sans jamais vendre, et l'activité était clairement automatisée. Alors quand la police japonaise va comprendre que le bot, il appartient à Mark, ça va devenir très clair qu'il cache un truc. Le Willybot Report, ou le rapport Willybot, va être produit. C'est un rapport qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de cette bestiole, qui apparemment achetait plus ou moins aléatoirement entre 10 et 20 bitcoins toutes les 5 et 10 minutes. Et face à cette découverte, la police elle va tout de suite penser que c'est ce bot qui est à la source des problèmes de liquidité de Mt. Gox. Ils se rendent compte que depuis le début de l'année 2014, le bot n'a plus passé un seul ordre d'achat, et il fait que revendre progressivement, doucement, tous ses bitcoins. Et ce changement d'activité, il paraît super suspect, évidemment. À ce moment-là, il va encourir 5 ans de prison ferme pour détournement de fonds. Après ses gardes à vue, Mark il va être transféré dans une prison de haute sécurité à Tokyo. Pas le droit de parler, pas le droit de siffler ou de faire quoi que ce soit. Pas le droit évidemment de taper sur les murs, de faire de la musique ou quoi que ce soit. Juste le droit donc de rester là, d'être assis, de lire ou d'écrire. Il finira par être libéré en juillet 2016 sous caution de 85 000 euros. Et après 11 mois de détention, il a interdiction de quitter le territoire japonais en attendant son procès final pour manipulation de données et détournement de fonds. À sa sortie de prison, Mark il a perdu 30 kilos mais il continue à clamer son innocence. Et à ce moment-là intervient un personnage intéressant qui s'appelle Kim Nielsen. Kim, c'est un des premiers clients de la plateforme et il a perdu beaucoup d'argent avec Mt. Gox. Du coup, il va mener une enquête indépendante sur ce qui s'est passé sur la plateforme et il va chercher à comprendre ce qui se cache derrière le Willybot dont on parlait tout à l'heure. Ses recherches le font retomber au tout début de Mt. Gox, très exactement lors de l'achat du site par Mark. Et il va comprendre que lors de la passation, quand Mark a acheté le site, Jed McCaleb, il a annoncé à Mark que le site avait lui-même perdu 9500 bitcoins dans la nature. Mais Mark aurait trouvé une façon créative de régler le problème. Le seul problème, c'était un petit trou de trésorerie. Mais sauf qu'à l'époque, on parle d'un bitcoin qui ne valait que quelques centimes de dollars. Ça représente pas encore une somme énorme à ce niveau-là. Et du coup, c'est là que Jed a créé Willybot. Seulement, le problème, c'est que le prix de bitcoin, il va varier extrêmement rapidement, jusqu'à atteindre des sommes folles, et le bot ne réussira jamais à combler le trou. Pire encore, l'enquête de Kim Nielsen révèle qu'il serait même à l'origine d'un trou de milliers de dollars. Mais Mark, il va jamais parler de ce problème pour demander de l'aide. C'était une conditions initiales lors de l'achat de Mt. Gox. Ce type d'activité devait rester jusqu'à ce que le trou soit couvert au moins secrète. Et donc la seule solution, c'est de limiter le nombre de personnes qui sont au courant. Et du coup, c'était impossible pour toutes ces raisons d'admettre au grand public que le site était déjà en dette à cause de Bitcoin volé. Et ce qui est machiavélique, c'est que la façon dont fonctionne le système de Mt. Gox permet pas vraiment à des auditeurs externes de se rendre compte du problème. Parce que depuis la plateforme, on n'a pas accès au portefeuille individuel de chacun des clients. Tout ce qu'on peut voir, c'est combien est-ce que Mt. Gox reçoit comme argent et détient au nom de ses clients. Mais on voit pas ce que les gens individuellement ont sur leur portefeuille, c'est centralisé. Est-ce que tu crées un système aveugle pour pas avoir à dire à tout le monde qu'il manque des bitcoins? C'est...
ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais c'est fort possible. En tout, on estime que c'est 865 000 bitcoins qui ont disparu de la plateforme. Et en fait, malgré les refontes du site, ce qui est terrible, c'est que les hackers, ils passaient toujours par la première brèche du début. Ensuite, on va réaliser que les hackers, ils ont volé aussi d'autres plateformes et que les fonds étaient transférés vers deux autres plateformes pour être blanchis. Kim Nielsen, lui, il indique que tout pointe deux hackers russes parce que les plateformes qu'ils ont utilisées pour blanchir l'argent était russe. En 2017, gros rebondissement, c'est Alexander Vinik, un citoyen russe qui habite en Grèce, qui va être arrêté. Il est propriétaire de la plateforme BTCI et il est recherché dans son pays, puisque BTCI était l'une des plateformes utilisées pour blanchir l'argent du hack de Mangok. Et alors là, incroyable, le mec va être accusé de fraude et de blanchiment d'argent, le tout pour plusieurs milliards de dollars, et il va se prendre, attention, je cite, 21 chefs d'accusation. Ça aura évidemment un effet super positif sur le Bitcoin, parce que ça y est, on vient de retrouver le gars responsable de tout ça, et ça va un peu restaurer la réputation de la première crypto-monnaie. En revanche, pour la réputation de Mark Karpeles, c'est plus compliqué. Le fait qu'il ait pas vu la fuite pendant si longtemps et qu'il n'ait pas réglé de manière plus efficace son problème de Bitcoin manquant depuis le début, tout ça combiné avec sa très mauvaise gestion de crise fait que c'est pas un gars giga apprécié dans le milieu. Et puis bon, son entreprise, elle doit encore rembourser des sommes pas possibles à ses anciens utilisateurs, donc c'est normal qu'ils soient pas encore prêts tous à le pardonner. Un peu une sorte de descente aux enfers, on peut dire, hein, ou... Du jour au lendemain, non seulement la plupart des gens ne me parlent plus, mais je recevais des menaces de mort. C'était une période très difficile. Et s'il a encore des devoirs envers ses clients qui comptent bien honorer, la partie légale, elle s'est conclue en 2019, où il a été condamné à 2 ans et demi de prison avec sursis. Alexander Vinik, il a été quant à lui extradé vers la France en début 2020, et il est en attente d'une future extradition aux États-Unis. En ce qui concerne Jed McCaleb, il est condamné en 2019 d'avoir délibérément menti pour pousser les clients à rester sur la plateforme. Aujourd'hui, la plateforme elle travaille activement au remboursement des fonds des clients de l'époque, et quand on va sur son site, ils expliquent que les autorités japonaises ont mis en place tout un système pour savoir quel compte appartenait à qui et qui va récupérer combien, et que les clients ont jusqu'au 10 janvier 2023 pour faire leur demande de remboursement. Et si vous voulez en savoir plus sur Silk Road, on a fait une vidéo sur l'histoire incroyable du site et de son créateur.